Bonjour, ça va gamer entre potes avec John Rachid, Norman fait les vidéos et Max, un ingé son que vous connaissez pas mais qui c'est super sympa. En fait, quand tu fais une blague, faut que tu nous parles proche de la gueule. Est-ce que tu aimes quand je te parle? Ta bonne haleine dans la gueule. Le principe du jeu, être le dernier survivant et savoir parler quand on y joue. Gaming entre potes, ça va être clairement culte. T'as quelqu'un participe à Fort Boyard ici déjà ou pas? Pourquoi? Je suis tombé sur un peu Fort Boyard là, il y a pas longtemps. J'avais jamais été choqué par ça. Mais quand même, on est face à des gens, donc les nains, ils ont pas le droit de parler quoi. Ah, demain c'est la rentrée. Ah, c'est la rentrée. Bon, est-ce que vous avez bien préparé vos trousses? Racontez-nous un petit peu. Est-ce que vous avez fait tous vos devoirs? Est-ce que vous avez bien rempli vos cahiers de travail, de vacances? Putain, les mecs ils savent plus trop comment ça se passe avec vous. T'as mine de rien, je suis pas mal stuff hein. Ouais, je suis stuff, ouais. Tu sais ce que veut dire stuff? Non. Ça veut dire qu'il est équipé. Ah merde, merde, on tire dessus. Ah, je me suis fait défoncer. Ah, je le vois. Oh non! Non, mais je suis mort. Oui! Un frag! Putain. Non! Je sais pas, putain! Oh merde! Eh, hey, j'ai eu deux frags quand même! Et moi un frag! Pas mal, mec! C'est quel genre de jeu où t'es content d'avoir très bien, fait un frag? Bravo! Putain, j'ai fait un frag! Fait non, en tout cas, ils sont bien montés, les mecs! Hein. Ils ont un sacré paquet, les dents! Yes, c'est la première partie de John Rachid. C'est un moment culte et historique en train de vivre. Et on accueille Rolex qui est là. Salutations! Vous êtes prêts? 5! Wow. Ça commence très mal! 1! Let's go! Gaming entre potes, c'est sans filtre! Tu vois, John? Dis-nous ce qui s'est passé quand Jérémy a sauté dans la piscine! Dans la dernière vidéo! C'est une petite blagounette que Yvick a dit de faire à Mike et on a failli niquer une caméra qui doit valoir plus de 10 000 euros. Est-ce que t'as pas l'impression de jouer avec l'argent des abonnés? Eh bien non, car sur le Whoop, nous gagnons très peu d'argent. Ok mon pote, la guerre peut commencer. Ah, t'as du style mon gars. Les squats, c'est très important dans la vie. Attends, je m'attends, me fais ton cul. Oh oui, 1, 2, 3. Putain, il a un cul gamin. Oh non, non mais je te passe j'ai aucun soin. Allez, bonsoir à tous, je te laisse. Qui aime bien le nouveau sweat d'Hugo? C'est une collab Van Strasher. Elle a été portée par Isaac Rocky, ouais. Et bénie par le pape. Et tu me dis pas que tu vas fumer de la nicotine? Surtout je rappelle, ne fumez pas. Prenez un max d'héroïne. Ça serait cool la partie entre Hugo et John. Ah. Norman part totalement. Ce serait cool que Norman parte directement de son appart. Bah sinon je vous laisse hein, je vous laisse mon appart, mes clés, mon scout et Merlin. Ouais, c'est ça, est. D'ailleurs, c'était moi, c'est un putain. Oh non, mec, putain, bâtard, c'était un prank! C'était un prank, salut, je fais des pranks! Ah, je les vois là-bas, il y a des mecs au fond là, dans l'autre hangar. Ça va commencer maintenant la fight. J'ai une grenade ou pas? Te plains pas. Vas-y, go! Ah, c'est une flash. Moi, je suis un fou, moi! Non! Max! Help me! Mais je t'ai suivi quand même, j'ai suivi moi! Moi, j'ai fait un sacrifice! J'ai vu vraiment sa mort, il a fait comme ça devant, mec. Je vais alors quoi, je suis mort en héros, je suis allé et j'ai tiré de partout. Qui prend du plaisir? Un max de plaisir. Pour un minimum de frag. Ah, y'a un mec là-bas. Oh, je vais me faire buter. Viens vers moi, viens vers moi. Ah, y'a deux. Oh merde, j'ai plus de balles. Oh putain, voilà, je suis dead. En live. Il est là, mec, il est là. Attends. Oh, il est très nul. Il est très très nul. Oula, qu'est-ce que... Merde. Tu l'as eu, Rolex? Ouais, j'en ai eu un. Franchement, on a commencé en mode grosse action de ouf là. Est-ce que les gens ont bien vu. Oh non! Oh non! Il reste Hugo en solo. C'est culte, c'est historique. Mais il est en haut de là, il est en haut du chapiteau là. Et voilà, c'est fini. Bon, c'était vraiment énorme. Voilà. On a adoré cette fin. Tu finis vraiment comme une grosse crotte. C'est très bien joué, Rolex. Encore. Ouais, oui, ça c'est bon ça. Ça, ça va être très technique. Oui! Oh, tiens, je te flash, connard. C'est moi qui vais te flasher, trop bon. Cette fin complètement honteuse. J'adore. Moi j'ai fait un top 1 la dernière fois, je suis tellement fier que je l'ai mis en fond d'écran de mon PC. Est-ce que tout le monde ici a fait un top 1? Oui. En équipe. Non mais toi t'as pas fait top 1 vivant. Pas fait top 1 vivant. Là? T'as pas me sauver, t'es juste à côté de moi. C'est clairement culte. Putain, je suis à côté de lui. J'arrive. Il est là, il se cache là derrière. Zéro frag, c'est marqué. Non. Je l'ai vu, t'as vu Hugo? On est là. Mais non! Il est où? Je suis en train de me soigner. Il est. Oh! Ah bâtard! Tu sais que j'avais trouvé un nom de team la dernière fois là. Le nom de team c'était Retour au lobby. Ah, c'est pas mal ça. Oh là là! La caverne d'Ali Baba, je prends presque un screenshot. Oh non, il va me le piquer! Non! Le non-respect d'Hugo tout seul. Norman, bientôt les 10 millions d'abonnés. Félicitations pour ton chemin incroyable sur YouTube. C'est vrai que félicitations. Voilà. Merci à toi mon pote, merci à tous. Là tu m'entends là? Un peu mieux. Pourtant il a fait zéro changement. Tu sais, c'est comme les artistes sur scène. Ouais, tu peux mettre un peu plus de... Tu changes rien. Ah ouais, merci. Alors, Maxime c'est... Là tu es en train de m'apprendre des trucs sur les balances que tu faisais. Les gens savent pas mais Maxime que vous entendez est mon ingé son que ce soit dans les vidéos ou sur scène. Et là il m'apprend qu'il foutait de ma gueule sur scène. Il y a une cache qui coffre. Oh non. Bon
toi. Je me suis pris un tirami. Non, il t'a écrasé, je crois. Ah, merci Rolex de m'avoir simplement roulé dessus et de m'avoir éliminé de la partie. Mais... DJ qui nous dit magnifique, le mec qui fonce sur Norman, je pleure. Bah écoute, je pleure aussi. Hein. Ce mec, c'est d'ailleurs Rolex, voilà. Est-ce que vous avez capté qu'on était en miroir? C'est-à-dire que si je vous montre par exemple ce mot, eh bien il est en miroir. On ne voit pas dans le bon sens. Je me fais vraiment chier. Hein. Je me fais vraiment chier. Je m'occupe comme je peux. Et j'ai toujours un peu envie de vomir, c'est excellent. Je crois que hier j'ai trop bu et là je vois trop de. Faut savoir que Norman boit très très peu. Quand il boit 3 verres, on entend parler pendant 2 semaines. C'est pas mal. Maintenant tu lâches, tu veux dedans. T'es prêt? Vas-y, ah, vas-y, je lâche, vas-y, vas-y. Ah, on voit ce que ça fait, ouais. Ah, ouais. Oh. Très bien, ouais. Ah, y'a un mec, y'a un mec, y'a un mec. Oh, il m'a neutralisé, putain. Voilà. Mais non. Ah, ouais, ils sont chauds, les gars. Mais putain, c'est pas possible. Oh, putain, non, juste avant. Oh, le bad. Oh, putain, oh, non. J'ai rien vu. Ah, ouais. Le mec a parfaitement utilisé sa grenade, putain. Eh bien, écoutez, voilà. La team Retour au Lobby porte très bien son nom. Puisque nous allons retourner au lobby et retourner à nos vies. Parce que nous sommes des merdes. Voilà. On n'était pas très bons, mais quand même meilleur que d'habitude. Hein, on a quasiment fini dans les premiers. On était dans les tops. Meilleure moyenne. Donc, on vous donne rendez-vous dans un prochain Gaming Entre Potes avec toute la team Retour au Lobby. Ouais. Comme ça, là, tu veux finir. Ouais. Okay. Vas-y, fais-en une, toi. Au revoir. Tout simplement, allez, ciao.